Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tenait assez à cœur. Vous savez que c'est un peu le principe du mois de décembre là sur ma chaîne, le fait que je vous donne mon avis sur les choses. Et il y a un truc en fait que j'entends tout le temps, qu'on me dit tout le temps, que ça vienne des abonnés, que ça vienne des fois de ma famille, enfin des gens un peu proches de moi, de mes amis, que ce soit dit gentiment ou pour piquer, en tout cas je me l'entends dire très régulièrement, c'est ça fait 5 ans que t'es sur YouTube et t'as que 20 000 abonnés. On me le dit souvent franchement et à chaque fois je sais pas quoi répondre en fait. Je sais pas quoi répondre parce que, enfin je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 20 000 personnes. Enfin l'autre jour j'étais dans un stade de foot, il y avait 10 000 personnes et je me disais, tous les gens là qu'il y a autour de moi qui m'oppressent un peu, c'est que la moitié des gens qui me suivent. Donc ouais, en fait, je trouve que 20 000 personnes, c'est énorme. Je trouve que c'est vraiment beaucoup, en fait, 20 000 personnes. Et je sais pas pourquoi il y a ce truc sur YouTube où il faut toujours que ce soit plus, il faut toujours que ce soit plus que les autres. Si t'as pas plus de 100 000 abonnés ou même 100 000 maintenant sur YouTube par rapport à certaines chaînes, c'est rien en fait. Et du coup forcément je suis une petite chaîne, mais est-ce que mon avis compte moins parce que j'ai moins d'abonnés? Enfin moi c'est pas comme ça que je le vois, j'ai l'impression que mon avis compte tout autant que la fille qui parle et qui a un million 600 000 abonnés en fait. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, je suis des petites chaînes et je suis des très grosses chaînes. Et ça veut pas dire qu'elles font du bon ou du mauvais travail, enfin il n'y a pas de la... C'est hyper triste de dire ça, mais le truc du si tu travailles t'y arriveras, moi j'y crois pas du tout en fait. Enfin oui, pour avoir les choses il faut travailler, mais sur YouTube c'est... Enfin honnêtement je travaille sur mes vidéos, ça fait 5 ans que je suis là, c'est énorme. Il y a des gens, ça fait un an qu'ils sont là, ils ont buzzé de ouf et ils ont déjà 500 000 abonnés. Mais moi ça m'intéresse pas en fait, c'est pas quelque chose que je vise pas à avoir beaucoup d'abonnés. Moi ce qui m'intéresse c'est les commentaires sous mes vidéos, c'est l'interaction que j'ai avec vous. Et c'est ce que je fais du coup ce mois-ci en fait, en faisant ces vidéos où je donne mon avis, où je parle un petit peu avec vous, un petit peu à cœur ouvert. C'est ça en fait qui m'intéresse, c'est l'échange que j'ai avec vous. Et c'est ce que je raconte, c'est ce que je réponds souvent à mes amis ou les gens proches de moi qui me disent ça. Oh mais t'as que 20 000 abonnés. Mais en fait, même pas, franchement je n'ai pas 20 000 abonnés. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent mes vidéos que 20 000 abonnés. J'ai certaines vidéos où il y a 100 000 vues, même un peu plus de 100 000. Il y a certaines vidéos qui sont plus dans les 50 000, d'autres qui sont plus dans les 10 000. Et la majorité qui sont dans les 1000, 2000. Donc je n'ai même pas 20 000 abonnés qui me suivent régulièrement. Sachant que quand on regarde mes statistiques, les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Il y a plus de 85% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas des abonnés. Donc même le chiffre 20 000 ne correspond à rien. Pour moi le chiffre c'est les gens sous mes commentaires, c'est les gens qui sur Instagram quand je pose une question me répondent, me donnent des bonnes adresses. Un exemple tout simple, quand je suis allée en Corse au mois d'avril, j'ai envoyé un message, j'ai posté un truc sur Insta comme je fais tout le temps en disant que j'allais en Corse. Est-ce que vous avez des bonnes adresses? Est-ce que vous avez des restos à me conseiller, des balades à faire, des trucs? Et j'ai eu 400 personnes qui sont venues me parler en me disant, moi je suis de Corse, moi je suis de Bastia, et ben je te conseille d'aller dans cette petite boutique, je te conseille d'aller acheter tes chocolats là, je te conseille d'aller faire cette balade. Et c'est ça pour moi l'échange. Enfin franchement je sais pas si, imaginez vous, si j'avais 2 millions d'abonnés, je poserais une question. J'aurais même pas besoin de poser une question, que les gens donneraient mon avis sur ce que je fais. Déjà ça j'aime pas, par principe j'aime pas. Et je poserai une question parce que j'aurais besoin d'aide et j'aurai tout et son contraire dans les commentaires, dans les messages. Déjà je pourrais même pas ouvrir tous les messages que je reçois, donc je pourrais pas échanger avec vous. C'est très souvent que quand mes abonnés, en fait je vous parle surtout sur Insta parce que sur YouTube il y a un petit peu moins cette interaction vu que je filme et je poste plusieurs jours après, mais sur Insta je poste des photos et y a vachement de gens qui viennent me parler en fait en message privé. Et à chaque fois vous me dites oh ça fait plaisir de voir une youtubeuse qui répond, je m'attendais pas à ce que tu répondes et tout, c'est hyper sympa. Mais en fait c'est pas sympa, ce qui est sympa c'est vous.
qui venaient me demander conseil alors qu'on ne se connaît pas. C'est vous qui êtes là derrière moi à me dire « Oh, c'est bien ce que tu fais, j'aime bien ton concept de vidéo, j'aime bien, tu devrais faire plus ça. J'ai fait un partenariat il n'y a pas longtemps et je pense que je vais vous le raconter en vidéo aussi pour vous donner mon avis dessus. Et j'ai vu que mes vrais abonnés, ceux qui étaient là, eh ben m'avait trouvé pas ouf en fait dans la vidéo. Et le fait que vous veniez me parler de ça, eh ben ça prouve bien que j'ai une communauté et que 20 000 personnes, c'est énorme en fait. Enfin, je peux répondre à tous mes commentaires, je peux interagir avec vous et c'est tout ce qui compte pour moi. Le fait d'avoir 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés ne m'intéresse pas. Le tout pour moi c'est d'échanger avec vous en commentaire, le fait d'avoir une communauté. Je vous ai donné l'exemple de Corse, ça s'est encore confirmé quand je suis allée à Milan. Je vous ai demandé, qu'est-ce que je vous ai demandé? Non, à Milan pas trop, c'est en Bretagne. Quand je suis allée en Bretagne, vous avez été hyper nombreux parce que forcément ben, des Bretons il y en a plein dans ma communauté. Et vous avez été hyper nombreux à me dire faut que t'ailles dans ce resto, faut que t'ailles dans ce village, faut que t'ailles faire ça, je te conseille cette acrobranche, je te conseille ça, ça, ça. Et j'ai suivi vos conseils et ça a encore plus de valeur du coup de faire des voyages quand c'est les gens qui vous le conseillent en fait. Et j'ai adoré le fait d'avoir une réponse à mes questions, des trucs tout bêtes, mais je me souviens quand, ben pareil, quand j'étais en Bretagne, j'ai eu un problème avec des chaussures Décathlon que je venais d'ouvrir. Que je venais d'acheter. Et en fait tout le dessous c'est défait. Et j'ai juste mis une photo en fait sur Insta Story en disant merci Décathlon, mes chaussures je les ai depuis 3 jours et elles sont déjà foutues. Et ben j'ai eu 4 filles qui travaillaient chez Décathlon qui m'ont dit hey, salut, je te suis sur YouTube, sur Insta et puis je travaille à Décathlon donc n'hésite pas, t'as le droit à ça, 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 va voir ça, ça, ça. Et j'ai même pas posé une question qu'elles étaient là pour m'aider. Donc quand vous dites merci dans les commentaires, merci de ton partage et tout, ben en fait c'est juste une relation entre nous, un échange entre nous et c'est ça que j'adore. Et c'est ça qui fait que j'aime ma petite communauté, que pour rien au monde j'échangerai. En 5 ans j'ai réussi à avoir presque 23 000 abonnés, 4 500 sur Instagram à peu près. Et moi je trouve ça dingue, je trouve ça énorme parce que jamais devant moi j'aurais 20 000 personnes en fait. Et pour le coup je me suis déjà retrouvée face à une abonnée, à être en panique parce que je suis assez timide et que voilà c'est difficile d'être face à des gens qui ne connaissent pas. Et déjà face à une personne j'étais en panique, alors imaginez devant 20 000 personnes, c'est juste pas possible. Ou devant 1 million de personnes, mais 1 million de personnes ça me ferait péter les plombs, j'aurais peur. Enfin je sais pas, c'est énorme quoi. Donc moi je suis très contente de ma chaîne, du parcours que j'ai. Et même si ça finit par s'arrêter cette aventure, j'aurai toujours cette fierté de dire que j'ai réussi à construire une communauté avec un échange avec mes abonnés. Donc voilà, si, enfin ça en fait il n'y a pas vraiment d'avis à donner. Si vous avez forcément un avis sur ça, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de dire. C'était surtout une note à moi-même que j'avais envie de vous faire partager en fait. Mais c'est voilà, c'est le principe des vidéos que j'essaie de sortir là au mois de décembre. Donc j'espère que ça vous aura plu et que la vidéo n'a pas été trop longue. J'essaie de faire des formats courts, mais des fois je parle, je m'emballe un peu. On va encore me dire que je parle trop vite dans les vidéos, ça arrête pas de revenir sous les commentaires. Mais voilà, moi je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt.